Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sur nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire en être heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans le café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une étoile, nous récitions des vers, groupés autour du poêle, et nous oublions l'hiver. Au matin, quand ça s'est enfin devant un café crème, épuisé, mais la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire en avant. Quant aux arts des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. Merci. Son Excellence l'ambassadeur de Tunisie, Monsieur Saif Al-Rajeb, Son Excellence l'ambassadeur du Canada en Serbie, Macédoine et Monténégro, Madame Cathy Chaba,
Cher public, membres du jury et chers spectateurs et spectatrices qui nous regardaient en ligne via nos réseaux sociaux, bonjour et bienvenue à la finale de la 15e édition du concours de la chanson francophone. Njegova ekscelencija, ambasador Tunisa, gospodin Seif Ala Recep, njena ekscelencija, ambasador Kanade u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, gospođa Kati Čaba, draga publiko, poštovani članovi žirija, drage gledateljke i dragi gledaoci koji nas pratite putem online streaminga preko društvenih mreža, dobrodošli na 15. po redu takmičenje za frankofonu pesmu. Merci Jovana Djordjevic de nous avoir interprété la chanson gagnante de l'année précédente, La Bohème. Hvala Jovani Đorđević na fantastičnoj izvedbi prošlogodišnje pobedničke pesme La Bohème. Le concours Može, de la chanson. Aplauz, slobodno. Bilo je fantastično. Le concours de la chanson francophone est un concours organisé depuis 2004 par l'Institut français de Serbie en partenariat avec le Centre culturel des étudiants de Niš et cette année avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, l'ambassade de Tunisie, l'agence de voyage Mandorama, l'ambassade du Canada en Serbie, Macédoine et Monténégro, le Sky Music Niš et le Exenet. C'est aussi un événement de niveau national qui motive les jeunes gens de Serbie à apprendre la langue française et la culture francophone. Takmičenje za frankofonu pesmu organizuju Francuski institut u Srbiji i Studentski kulturni centar u Nišu od 2004. godine, a ovo 15. izdanje podržali su Međunarodna organizacija frankofonije, ambasada Tunisa, turistička agencija Mondorama, ambasada Kanade u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, Sky Music Center i Exenet. Ovaj događaj koji se održava na nivou čitave Srbije ima za cilj da motiviše mlade ljude da nauče francuski jezik i upoznaju se sa frankofonom kulturom. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter les meilleurs candidats issus des sélections régionales Belgrade, Kladovo, Novi Sad et Niš. Les candidats sont, comme chaque année, divisés en deux catégories, juniors de 13 à 17 ans et les seniors de 18 à 28 ans. Danas ćemo imati prilike da slušamo najbolje kandidate iz regionalnih selekcija Beograda, Kladova, Novog Sada i Niša. Kandidati su, kao i svake godine, podeljeni u dve kategorije, juniori od 13 do 17 godina i seniori od 18 do 28 godina. Le jury composé de professionnels de la musique et de la langue française va évaluer l'interprétation, l'originalité, la qualité vocale et la qualité linguistique des candidats, ainsi que leur prestance scénique. Le jury va élire deux gagnants, le premier gagnant dans la catégorie junior et le second dans la catégorie senior. Žiri, sastavljen od profesionalaca iz oblasti muzike i francuskog jezika, ocenjivaće originalnost, interpretaciju, pevačko umeće, ponašanje na sceni, jezičke sposobnosti i sam nastup takmičara. Žiri će odabrati dva pobednika, jednog iz kategorije junior i jednog iz kategorije senior. Et voici une nouveauté. Pour la première fois, c'est vous, chers spectateurs et spectatrices, qui nous regardez via nos réseaux sociaux, grâce au Exenet, qui pouvez voter pour votre candidat favori. Dès maintenant, un album photo des candidats est publié sur la page Facebook du Centre culturel des étudiants de Niš qui indique le nom et la chanson de chaque candidat et candidate. Il vous suffit de taper le lien www.facebook.com/@skcnis et de voter pour votre candidat favori en likant ou en cliquant j'aime sur sa photo d'ici la fin des prestations. À la fin de la compétition, les votes seront calculés par l'administrateur de la page Facebook. Le candidat qui aura le maximum de votes emportera le prix de la part du Centre culturel des étudiants de Niš avec le soutien du Centre Sky Music. A evo i jedne novine. Po prvi put i vi, draga publiko i gledaoci koji pratite naš program putem online streaminga uz tehničku podršku Exeneta, možete glasati za svog favorita na zvaničnoj Facebook stranici Studentskog kulturnog centra u Nišu.
već sada je objavljen album sa slikama takmičara, njihovim imenima i pesmama koje će pevati. Na vama ostaje da posetite Facebook stranicu SKC-a putem linka www.facebook.com/SKC-NIS i do kraja takmičenja glasate za svog favorita, tako što ćete lajkovati njegovu sliku. Lajkovi će potom biti prebrojani od strane administratora Facebook stranice SKC-a, a takmičar koji bude imao najviše glasova dobit će nagradu od Studentskog kulturnog centra koji obezbeđuje Sky Music. Laissez-nous vous présenter les membres du jury. Dozvolite da vam predstavimo članove žirija. L'ambassadeur du Canada en Serbie, Macédoine et Monténégro, madame Cathy Chaba. Ambasador Kanade u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, gospođa Cathy Chaba. Responsable du Centre régional francophone pour l'Europe centrale et orientale à Sofia, directrice adjointe du Bureau régional pour l'Europe centrale et orientale à Bucarest. Elle vient de l'Organisation internationale de la francophonie et aujourd'hui, elle est la présidente du jury, Madame Cécile Lecquier-Falchini. Rukovodilac regionalnog frankofonog centra za centralnu i istočnu Evropu u Sofiji, zamjenica direktora regionalne kancelarije za centralnu i istočnu Evropu i dolazi nam iz Međunarodne organizacije frankofonije, predsjednica našeg žirija Cécile Lecquier-Falchini. Conseiller de coopération et d'action culturelle, le directeur de l'Institut français en Serbie, monsieur Jean-Baptiste Cousin. Savjetnik za saradnju, kulturu, direktor Francuskog instituta u Srbiji, gospodin Jean-Baptiste Cousin. L'ambassadeur de Tunisie, monsieur Saif Ala Recep. Ambasador Tunisa u Srbiji, gospodin Saif Ala Recep. Professeur titulaire à la faculté d'art à Niche et chef d'orchestre, madame Milena Injac. Redovni profesor na fakultetu umetnosti u Nišu i dirigent, gospođa Milena Injac. Musicien, guitariste, chanteur et l'ancien membre des groupes SMAC et Generacija Pet, son nouvel album qui vient de sortir est titulé Sjužne strane, du côté sud, où il a adapté nos chansons traditionnelles au genre pop-rock. Dejan Najdanović Najda. Muzičar, gitarista, pevač i nekadašnji član grupa SMAK i Generacija 5, pobednik na međunarodnim festivalima pevača, kasnije će nam otpevati pesmu sa svog novog albuma s južne strane, u kome je obradio naše narodne pesme u pop-rock stilu. Veliki aplauz još jednom za Dejana Najdanovića Najdu. Le premier prix pour la catégorie junior est un séjour pour deux personnes en Tunisie, avec une entrée à un événement musical en 2018. Ce prix est offert par l'ambassade de Tunisie en Serbie et nous la remercions. Nagrada za prvo mesto u kategoriji junior je boravak za dve osobe u Tunisu i ulaznica za muzički festival 2018. Ova nagrada je poklon ambasade Tuniške Republike u Srbiji, na čemu im se zahvaljujemo. Le premier prix pour la catégorie senior est un séjour pour deux personnes en France, avec une entrée à un événement musical en 2018. Ce prix est offert par l'agence de voyage Mandorama. Nagrada za prvo mesto u kategoriji senior je boravak za dve osobe u Francuskoj i ulaznica za muzički festival 2018. Ova nagrada je poklon turističke agencije Mondorama, kojoj se također zahvaljujemo. Et enfin, le prix du public, le candidat que vous choisirez, cher public, via le vote en ligne sur Facebook, selon le plus grand nombre de j'aime, le Centre culturel de Niche se verra décerner un micro professionnel. Na posledku, nagrada publike. Takmičar sa najvećim brojem lajkova, koga vi, draga publiko, budete odabrali, putem glasanja preko Facebooka, dobit će profesionalni mikrofon koji će dodeliti Studentski kulturni centar u Nišu u saradnju sa Sky Musicom iz Niša. A sada molimo vas da pozdravite velikim aplauzom ljude koji su dugi niz godina sastavni deo ovog projekta. Ljudi koji prate naše kandidate i bez kojih ovo takmičenje ne bi bilo moguće. Naši dragi muzičari iz grupe Frankofonik. Bubnjevi Darko Kojić.
bas gitara Milan Srdanović koji je već 12 godina na ovom takmičenju. Akustična i električna gitara Milan Nikolić koji je već 6 godina deo ovog projekta. I klavir Miodrag Mika Mladenović, jedini koji ovo takmičenje prati i razvija svih 15 godina još od prvog izdanja. Et maintenant, nous proclamons la compétition officiellement ouverte avec la catégorie junior. A sada proglašavamo takmičenje zvanično otvorenim i počinjemo sa juniorima. Padam, padam. Miljana, nije valjda, nemoj, molim te, pa tek smo krenuli, nije valjda trema. Nemanja, pa ti ništa ne razumeš. To je naziv naše prve numere. Naravno da ne razumem kad nisi izgovorila kako treba. Jao, pošto si ti toliko pametan, hajde reci mi kako se pravilno kaže. Pravilan izgovor je padam, padam. Svaka čast, molim aplauz za kolegu. Vidi se da pohađaš časove u Francuskom institutu. Hvala, trudim se, trudim se, trudim se. Naša prva takmičarka otpevaće nam pesmu neprevaziđene francuske pevačice upečatljivog glasa za koju ste, verujemo, svi čuli, a to je Edith Piaf. Ova pevačica je utisnula veliki trag u francuskoj muzici pevajući francuske šansone. Aplauz za Katarinu Dumančić i pesmu Padam, Padam! Qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parlait toujours avant moi et sa voix couvrait ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il m'a fait le cul du soumis à toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre des doigts et je traîne après moi comme une drôle d'air. Cet air qui sait tu par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Et y a pas de raison pour que tu me plaires pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes vins n'en font battre tambour. Je vois son très battre des gestes, tu t'es la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 de je t'aime du 14 juillet. Padam, 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 de toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 du veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber jusqu'en coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder de chagrin pour après. Je n'ai tout un sale fil sur cette terre qui bat. De bois.
Naši takmičari često biraju pesme Lare Fabian. Ja sam istraživao malo o njoj i naišao na podatak da je ona, između ostalih priznanja, proglašena za otkrovenje godine 1997. i to na godišnjoj dodeli nagrada Victoire de la Musique koju organizuje Ministarstvo kulture Republike Francuske. To je zaista interesantan podatak, Nemanja. Mislim da i među našim takmičarima ima kandidata koji bi poneli tako laskavo priznanje. Možda je to upravo Jovana Šljivić, koja će nam se predstaviti pesmom ŽTM. Veliki aplauz za Jovanu! Je t'aime comme un soldat.
Miljana, podsjeti me, kako beše, koliko smo muških takmičara imali prošle godine? Pa koliko se ja sećam, samo jednog. Tačno. E, ove godine imamo opet jednog. Pa vidiš da ste i dalje u manjini. Ja mislim da nismo u manjini, ja mislim da smo mi gotovo statistička greška. Slažem se, naš jedini muški takmičar, Aleksa Žikić, otpevaće nam pesmu Navijem pa, francusko-kanadskog pevača, kantautora i kompozitora Roša Voazana. Veliki aplauz za Aleksu! Koja je tvoja životna filozofija? Pa ako bih baš morao da kažem, to bi bilo veruj u sebe i u svoje mogućnosti. A tvoja? Lepo. Pa ja nemam životnu filozofiju. Smatram da u životu ne treba mnogo filozofirati, već se treba prepustiti mašti i uživanju. Mada, možda to i nije mišljenje naše naredne takmičarke, ali sigurni smo u jedno, a to je da svakako francuska pevačica Amel Bent ima svoju filozofiju, pošto njena pesma upravo nosi ovaj naziv, Ma filozofije, a dočaraće nam je Irina Filipović. Veliki aplauz za Irinu!
philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Belle la tête, pompe le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, comme des visages, comme des habits. Moi j'ai des formes, des rondeurs, ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, qui a appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, et bien plus de cœur que de pierre. J'en ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, manquer le tort, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Da vas podsjetimo, dragi gledalci, da glasate za svog favorita tako što ćete lajkovati njegovu sliku na Facebook stranici Studentskog kulturnog centra u Nišu, SKC NIS. Na kraju takmičenja lajkovi će se prebrojati. Takmičaru koji bude imao najviše glasova, Studentski kulturni centar u Nišu, uz podršku Sky Music centra, dodelit će nagradu. A naša sljedeća numera je Sačuvaj zadnji ples. Sačuvaj Miljana. Zadnji ples. Nije. Zadnji ples za mene. Miljana, čekaj, nije to ta pesma. Kako ne, pomešala si. Kako nije ta pesma kad ona nosi naziv Dernière danse, što da. Znači zadnji ples? Da, tačan je prevod, ali nije to ista pesma. Nešto si se ti zbunila, pusti mene, ja ću ovo bolje. Dernière danse je pesma mlade francuske pevačice Indile, koja je, zahvaljujući svom neobičnom stilu, stekla ogromnu popularnost širom sveta. Naša takmičarka Irena Ševarlić-Neigebauer će izvesti ovu numeru. Ko zna, možda će i ona krenuti Indilinim stopama. Izvoli, Irena. Tu recommences. Je suis comme net sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Et une dernière danse pour oublier
ma peine immense. Je veux m'enfuir que tu commences. Kolega, kao što si rekao, ti umeš bolje da najavljuješ. Mogu da ti prepustim sledeću najavu, a ako želiš i sve ostale do kraja programa. Nemoj tako, Miljana, pa to je bila samo mala šala. Ti znaš da ja tebe jako cenim i poštujem. Evo, dozvoli mi da se iskupim. Draga publiko, molim vas da mi pomognete jednim velikim aplauzom iskupljenja. Pozdravite našu dragu Miljanu. Hvala, hvala. Evo, Miljana. Dobro. Pre svega hvala publici. Dobro. Hvala i tebi. Ovim si se skupio, ali samo malo. Naša naredna pesma nosi naziv Je vole, što u prevodu znači letim. U originalu je izvodi poznati francuski pevač Michel Sardou, a za potrebe filma La famille Bélier, porodica Bélier, mlada francuska glumica i pevačica Luan je otpevala na svoj način. Uživajte u izvedbi naše naredne takmičarke Sofije Stević, koja će nam se predstaviti obradom ove pesme. Izvoli Sofija, veliki aplauz za Sofiju. Mes chers parents, je parle. Je vous aime et je parle. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Et on m'observe.
saucisse troublait ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner. Ostala su nam još dva takmičara iz kategorije junior. Na vama, dragi gledaoci, ostaje da glasate za svog favorita. Glasajte, glasajte, glasajte. Nemanja, naredna pesma koju ćemo čuti je Je t'aime, pevačice Lara Fabian. Čuli smo već da je bila otkrovenje godine. Da, nemaš možda još neku interesantnu informaciju o ovoj fantastičnoj pevačici? Zapravo imam, Miljana, i hvala ti što mi omogućavaš da zablistam danas. Nema na čemu. U francuskoj verziji animiranog filma Zvonar Bogorodičine crkve, Lara Fabian je pozajmila glas čuvenoj Esmeraldi. To je još jedan pokazatelj njene popularnosti u Francuskoj. Baš si se potrudio, Nemanja, svaka čast. Molim aplauz za mog kolegu i njegov trud. Hvala, hvala. A naša naredna takmičarka koja će se predstaviti pesmom Je t'aime je Adriana Salahović. Podržimo je velikim aplauzom. Thank you.
chanter, je vais donner. Je ne l'ai jamais menti et jamais je ne l'ai trahi. Jamais je me disais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Tu vois, je t'aime comme ça. Наша последња такмичарка из категорије јуниор, Христина Татић, представиће нам се песмом која је 1987. Године од 50 најбољих песама у Француској пласирана на 7. место. Колики успех постигнут најбоље говори чињеница да је то била насловна песма на првом албуму француске певачице Патрисије Кас. А шта би се друго могло очекивати од француских господјица, osim da piju crno vino, le vin rouge, i pevaju blues. Aplauz za Kristinu i pesmu Mademoiselle chante le blues. Elle y croit, mademoiselle chante le blues.
Merci beaucoup. Bravo à tous les candidats juniors pour vos magnifiques interprétations. Vous avez démontré beaucoup de talent et d'émotion. Čestitamo svim juniorima na predivnim interpretacijama. Pokazali ste zaista puno emocija i puno talenta. Veliki aplauz za sve naše juniore, molim vas. Još jednom da napomenemo, draga publiko, da glasate za svog favorita tako što ćete lajkovati njegovu sliku na Facebook stranici Studentskog kulturnog centra u Nišu, SKC NIS. Na kraju takmičenja lajkovi će se prebrojati. Takmičar koji bude imao najviše glasova dobit će nagradu od Studentskog kulturnog centra u Nišu uz podršku Sky Music centra. Et maintenant, nous invitons la responsable de l'Institut français de Serbie à Niche, Marion Viaud, à nous rejoindre sur scène. A sada pozivamo direktorku Francuskog instituta u Nišu, Marion Viaud, da nam se pridruži na bini. Oh, salut! Candidats et candidates qui nous ont offert une performance de qualité. Vous avez voyagé de partout en Serbie pour nous offrir ce spectacle. Čestitam svim kandidatima i kandidatkinjama na fantastičnim izvedbama. Svi ste došli iz različitih delova Srbije kako biste nam podarili kvalitetan spektakl. À main levée, qui est au concours de la chanson francophone pour la première fois? Neka podignu, molim vas, ruke u publici, svi koji su po prvi put na frankofonoj pesmi. D'accord. Deux fois. Neka podignu ruke oni koji već drugi put prisustvuju. D'accord. Trois fois. Tri puta. Alors, plus de cinq fois. Donc, plus de cinq fois. Više od pet puta. D'accord. Plus de 10 fois. Više od 10 puta. D'accord. OK. 15 fois. 15 puta. Pour ceux et celles qui sont là depuis 15 fois, est-ce que vous pourriez vous lever s'il vous plaît? Sve osobe koje su već 15. put ovde, molim vas da ustanete. Wow. Bravo. Parce que c'est grâce à vous que ce concours existe depuis plus de 15 ans. Cette année, nous célébrons les 15 ans du concours de la chanson francophone qui, d'année en année, se transforme et grandit avec nous. Et il ne serait pas possible d'avoir ce concours sans les professeurs de français, sans le SKC, les musiciens, les équipes de l'Institut français de Niche, Novi Sad, Belgrade, l'Alliance franco-serbe de Kladovo. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais vous vous reconnaîtrez. Ove godine proslavljamo 15 godina postojanja takmičenja za frankofonu pesmu, koja se iz godine u godinu transformiše i raste sa nama. Ovo takmičenje ne bi bilo moguće organizovati bez učešća profesora francuskog jezika, Studentskog kulturnog centra, ekipe Francuskog instituta u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Srpsko-francuske alijanse u Kladovu. Nažalost, ne može nabrojati sve ljude koji su dugi niz godina sastavni deo ovog projekta. Hvala Marion, hvala na divnim rečima, a sada očekujemo svi već tradicionalno tvoju pesmu na srpskom jeziku. Marion, as-tu compris ce que Nemanja a dit? Il m'a dit joyeux anniversaire. Pa Nemanja, ona te ništa nije razumela. Misli da si učestitao rođendan. Ma kakav rođendan, Marion? Ne, nećeš otići bez pesme. Publiko, molim vas, jedan aplauz za Marion. Pesma. Ovaj godina ja sam birala jedna ljubavna pesma od srce. Ja mislim da vi znate ovaj pesma. Okay.
sees me, yeah. I got some jabba jabba, moi je l'appelle. Shalimse, vi imate odlična ljubavna pesma, ali sama to je bila moja prva pesma da ja sam naučila kad ja sam došla u Srbiji i posle ja sam naučila da kaže grenouille. Pour les francophones, jabba veut dire grenouille, donc ça dit tu es le serpent et moi je suis la grenouille, grenouille. Voilà. Bon, je vous laisse avec des vrais chanteurs. Ostavlja nas sa pravim pevačima. Bravo, Marion, bravo. Bravo. Il est temps maintenant de passer à la catégorie senior. A mi nastavljamo dalje sa takmičenjem, na redu su kandidati iz kategorije senior. Naši takmičari su izuzetno inspirisani porodicom, ljubavlju i međuljudskim odnosima, što pokazuje izbor njihovih pesama. Može se reći da njihove interpretacije opisuju odnos roditelja i dece tokom čitavog života. Počevši od burnih tinejdžerskih dana preko napuštanja porodičnog gnezda, sve do trenutka traganja za roditeljima kojih više nema. Kao deca stalno zovemo roditelje. Nakon toga pokušavamo da bežimo od njih, ne kajemo se zbog naših odluka i na posletku sanjamo o tim danima i razmišljamo kako bismo sve drugačije sada uradili. Zaista je tako i verujem da ćemo uživati u svim izvedbama naših dragih seniora kojih ukupno ima 7. Veliki aplauz za naše seniore! A naša prva takmičarka iz kategorije senior otpevaće nam pesmu Set écrit, Writings on the Wall, koju u originalu peva Sam Smith. Ali kao što je to slučaj sa svim velikim svetskim hitovima, francusku verziju nam je podarila čuvena Sarah. Iako mogu da primetim, Miljana, njene obrade su čak ponekad i bolje od originala. Možda je to slučaj i sa ovom pesmom? U potpunosti slažem sa tobom, Nemanja. Ona zaista ume da oplemeni pesme na svoj karakterističan način. A pesmu Set écrit otpevaće nam Katarina Dakić. Aplauz za Katarinu. Qui me hante
les étoiles se rassembler et l'horizon s'assombrir. Même si mes espoirs semblent s'en aller, je peux affronter le pire. Tu veux pour toi, je risquerai ma vie, car je sais que c'est écrit. Je sais que c'est écrit. Je sais que c'est écrit. De rien, non, je ne regrette rien. Nije teško pretpostaviti da moja koleginica pokušava da oponaša neponovljivu Edith Piaf i njen famozni način izgovaranja slova R. Ali nešto nije bilo, možeš ti to i bolje, zaista. Mislim da možeš. Pa bitno je truditi se, kolega. Ne može sve biti idealno. Ali kao što i sam naziv pesme kaže, ne želim ni za čim, pa tako ni ja ne želim što sam pokušala. Ti si danas, koleginice, baš raspevana pravi mali vrapčić. Pa ima i razloga za to, kolega, zar nismo na takmičenju za frankofonu pesmu? Danas je dan za muziku. Tako je, slavimo muziku, a naša sljedeća takmičarka je... Olja Petrović, koja će nam otpevati pesmu pevačice Edith Piaf, Je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies,
Nemanja, da li si kao tinejdžer razmišljao da pobegneš od kuće? Naravno da jesam, Miljana. Ja mislim da ne postoji tinejdžer koji nije barem jednom razmišljao o tome. Pa to je možda bilo u tvoje vreme. Danas tinejdžeri uopšte nisu problematični, tako da verujem da to više nikome neće pasti na pamet. Nisam siguran za tinejdžere, ali sam siguran da ćemo svake godine slušati o tebe kako sam ja mator. Nema na čemu. Narednu pesmu smo već jednom čuli u juniorskoj kategoriji i ona upravo govori o odrastanju i napuštanju porodičnog gnezda. Ispunjena je burnim emocijama koje pogađaju kako decu, tako i roditelje. Veliki aplauz za takmičarku Minju Savić i pesmu Žvol! Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, notre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me plaque la poitrine. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole. Je vole. Merci beaucoup. Da vas podsjetimo, draga publiko, ne zaboravite da glasate za svog favorita tako što ćete lajkovati njegovu sliku na Facebook stranici Studentskog kulturnog centra u Nišu, SKC NIS. Na kraju takmičenja lajkovi će se prebrojati. Takmičar koji bude imao najviše glasova dobit će nagradu od Studentskog kulturnog centra u Nišu uz podršku Sky Music centra. Miljana, moram da primetim nešto.
danas ti si izuzetno lepa. Jao, ne, Manja, pa šta bih ti drugo rekla osim hvala ti od srca? Molim. A sada, kaže mi da sam lepa. Pa već sam ti kazao, a i svi su čuli, mislim, mogu ja opet, ali te vidim razloga svaki minut da ti dajem komplimente, ne razumem sad o čemu se radi. Pa ne meni, Nemanja. Ovo je naziv naše naredne numere. Pa ti ponovo nisi razumeo ništa. Inače, ovu pesmu izvodi francuska pevačica Patricia Cass. Moja kaška, oprosti, molim te. U redu. Evo i jednog interesantnog podatka. Patricia Cass je jedan od najuspešnijih izvođača na svetu. Prodala je preko 16 miliona albuma. Njenu muziku odlikuju pop muzika, mešavina pop muzike, džeza i šansone. Veliki aplauz za Nataliju Lazić koja će nam otpevati pesmu Il me dit que je suis belle. Je
Voilà. Nemanja, pošto si ti vredan učenik u Francuskom institutu, pa veoma marljivo radiš i učiš jezik, hajde nama ti lepo izmenjaj glagol biti po licima, Dobro. Ali u budućem vremenu. Mm-hmm. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Bravo, jedan aplauz za mog kolegu. Hvala, hvala. Svaka čast, Nemanja. Odlično si to uradio. Hvala, samo nije mi jasno baš zašto si to tražila od mene. Pa, postoje dva razloga. Želela sam da profesorke iz Francuskog instituta, koje su trenutno sa nama u publici, budu ponosne na tvoj napredak. Hvala, hvala. Samo što će Bilja da me ubije što pričam na srpskom, ali nema veze. Idemo dalje. Nema veze, ne. A drugi razlog je veoma jednostavan, jer naša naredna pesma nosi naziv Tu seras, u prevodu ti ćeš biti. Ovo je pesma francuske pop-rock pevačice Aimée Dumas, koja je veliku popularnost stekla učešćem u muzičkom show programu Star Academy, a otpevaća nam je naša naredna takmičarka Aleksandra Timovski. Veliki aplauz! Tu seras
Nemanja, znaš li ti da sam ja jednom sanjala kako imam krila i letim iznad grada? Vrlo ti je čudan san, moram da ti kažem. Slažem se. Pošto sam otkrila tebi i publici koji su moji snovi, da čujem o čemu ti sanjaš. Miljana, biću u potpunosti iskren, ja sam od uvek sanjao i dan danas sanjam o tome da postanem glumac. Zato sam i prihvatio da vodim ovo takmičenje. Pa možda još uvek nije kasno. Možda, možda. U svakom slučaju, hvala ti na podršci. Nema na čemu. Iako ljudi nemaju krila, ipak nam ostaju snovi. A naša naredna takmičarka, Stanislava Petrović, predstavit će nam se pesmom iz mjuzikla Les Misérables, J'avais rêvé. Prepustite se mašti, pa možda zaista i poletite. Je fais pour que plus je tombe et plus vous me laissiez tomber. J'avais rêvé d'un cœur si grand que le mien y trouve place pour un bonheur à partager. Doux Seigneur, comme un rêve. J'étais prête à toutes les folies, à toutes les passions qui se lèvent. J'étais si jeune, où est le monde? Trace. Moi j'ai comblé l'appétit du premier voleur qui passe. Il a coutumé de sa présence. Et puis un jour il est parti en m'ayant volé mon enfance. Parfois je rêve. Thank you.
merci beaucoup. Voilà. Draga publiko, ostalo je još malo vremena da glasate za svog favorita na Facebook stranici SKC NIS. Polako se približavamo kraju takmičarskog dela, a čućete uskoro i poslednju numeru. Miljana, kada sam po prvi put video da ćemo imati pesmu Papaute na repertuaru, ja sam se ozbiljno zabrinuo kako će to naši muzičari odsvirati. Zar ti to sumnjaš u našeg Miku i njegov bend? Nikada, nikada, ali sam siguran da bi im za izvođenje originala ove pesme bio potreban mixpult. To je tačno, ali srećom, mlada nada francuske muzičke scene, Marine Adamico je napravila fantastičnu obradu ove pesme i omogućila našoj narednoj takmičarki Sofiji Jović da nam je prezentuje danas. Veliki aplauz za našu poslednju takmičarku Sofiju! D'où il vient, enfin je serai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il pas très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Son même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es? Quoi qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croit plus. Un jour le nôtre sera tous papa et un jour le nôtre n'aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des génités ou des génies? Dites-nous qui n'en est sans aussi responsable. Ah, dites-nous qui tient. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, c'est ton hérité, c'est ça. Votre secours pour ce quoi? Dites-nous c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey, hey, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es? Où est ton papa? Papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Nous voici à la fin des prestations. Vous avez entendu tous nos finalistes du concours de cette année. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Došli smo do kraja takmičarskog dela. Čuli ste sve naše finaliste i nadamo se da ste uživali, barem onoliko koliko i nas dvoje. Le jury va maintenant se retirer et délibérer. Nous allons faire une petite pause de 15 minutes. Après la pause, nous allons continuer avec notre programme. Žiri će se sada povući kako bi doneo odluku, a mi ćemo napraviti kratku pauzu od 15 minuta, a nakon toga nastavljamo dalje sa našim programom.
Voilà un applauso. Nous voilà et nous continuons avec le programme. Nous vous informons que les votes via nos réseaux sociaux sont maintenant clos. Evo nas, nastavljamo dalje sa našim programom. Čekali smo malo duže žiri, sigurno da je bilo baš nekog preglasavanja možda. U svakom slučaju, obaveštamo vas da će glasanje za nagradu publike preko Facebooka biti završeno za 5... 4... 3... 2... 1... Gotovo! Završeno je! E, sada čekamo rezultate. A dok čekamo rezultate... Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir les gagnants du concours national de la chanson francophone organisé par nos chers voisins à Tetovo, en ex-république yougoslave de la Macédoine. Zadovoljstvo nam je da ugostimo pobednike nacionalnog takmičenja za frankofonu pesmu organizovanog ove godine od strane naših dragih komšija u bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji u gradu Tetovu. Le gagnant de la catégorie école primaire, Simon Gorshev de Skopje, nous chantera la chanson d'Indila, Dernière danse. Pobednik iz kategorije osnovnih škola, Simeon Gorshev iz Skoplja, otpevaće nam svoju pobedničku pesmu pevačice Indile, Dernière danse. Veliki aplauz za Simeona. Tu recommences, je ne suis qu'un être d'importance. Sans lui, je suis un papero. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir quand tu commences. Ou ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans les bruits, je couille, j'ai peur. Et c'est mon tout, où vient la douleur. Dans tout Paris, je m'en. Absence. J'ai beau trimer sans toi ma vie, ni hier des corps qui privent de sens. Je rêve le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel et je danse.
Merci. Bravo Simone, hvala na fantastičnoj izvedbi. La gagnante de la catégorie lycée, Diana Filipowska de Negotino, nous chantera la chanson Avenir de Loane. A sada pobednica iz kategorije srednjih škola, Diana Filipowska iz Negotina, otpevaće nam svoju pobedničku pesmu koju u originalu izvodi pevačica Loane, a ona nosi naziv Avenir. Veliki aplauz. Diana. Nous voici à la fin de ce magnifique concours. Nous espérons que vous avez passé des moments agréables. Približavamo se kraju takmičenja. Nadamo se da ste svi uživali u izvedbama naših takmičara, a i u revijalnom delu. Nous sommes sûrs que vous êtes impatients de connaître les noms des gagnants, mais avant tout, les candidats et les organisateurs ont formé une équipe dans cette belle aventure. Sigurni smo da ste nestrpljivi da čujete imena pobednika, ali pre svega moramo istaći da su se naši takmičari i organizatori tokom ove lepe avanture pokazali kao jako dobar tim.
Još jedan dokaz ove tvrdnje je i podatak da je Facebook stranicu SKC NIS tokom glasanja posetilo više od 10.000 ljudi. To je zaista, zaista frapantan podatak. Pour annoncer les résultats des votes via nos réseaux sociaux, nous invitons la directrice du Centre culturel des étudiants de Niš, Madame Dragana Petković, à nous rejoindre sur scène. Pozivamo direktorku studentskog kulturnog centra u Nišu, gospođu Draganu Petković, da nam se pridruži na bini kako bi proglasila pobednika putem društvenih mreža. Uvaženi žiri, poštovani takmičari, poštovani profesori, kolege, čast mi je da vas pozdravim ispred Studentskog kulturnog centra. Veliko je zadovoljstvo sarađivati sa Francuskim institutom i organizovati takmičenje koje podstiče mlade da upoznaju frankofonu kulturu, jezik, pesme. Svedoci smo vrsnih kvaliteta naših takmičara i zato želim svim učesnicima frankofone pesme 2018. godine da čestitam. Bravo! Respectueux membres du jury, chers candidats, chers professeurs et chers collègues, c'est un grand honneur de vous saluer au nom du Centre culturel des étudiants de Niš. C'est mon grand plaisir de coopérer avec l'Institut français et d'organiser ce concours qui incite les jeunes à connaître la culture francophone, la langue française et les chansons francophones. Nous sommes témoins de la grande qualité des candidats d'aujourd'hui et je tiens à féliciter tous les candidats de 2018 et surtout les gagnants du concours de la chanson francophone de 2018. Uz veliku podršku Sky Musica i Exeneta omogućili smo da publika ove godine učestvuje u odlučivanju putem društvenih mreža. Velika mi je čast da kažem da je takmičar koji je osvojio najviše glasova. Nous avons eu un grand soutien de Sky Music et Exenet qui ont permis au public d'exprimer également son opinion. Le candidat qui a eu le plus de votes d'après le public est... Dakle, pobednik publike je Aleksa Žikić iz Kladova. Da. Čekaj, Aleksa, ne, nećeš tako lako ne. Da odeš sa scene. Zamolit ćemo pobednika po glasovima publike, Aleksu Žikića, da nam otpeva svoju pesmu. Još jednom. Sur de toi, ne viens pas.
où tout va me tuer. Tu as bon le sourire, à tout vraiment changer. Ne viens pas si tu n'as pas choisi. Si reste à tes absences un peu de lui. Ne viens pas si c'est pour t'endormir. Ce que je peux pour m'assurer. Je confonds la haine et l'amour à force de souffrir. Je ne pourrai pas oublier le mal que tu m'as fait. Si ton amour se déguise, trop tard je le saurai. Si tu n'as pas choisi, tu restes en insouciance d'avoir besoin de lui. Oh, ne viens pas si c'est pour me mentir. Essayons chaque nuit de repartir. Voilà. Voilà, Alexa, et još jednom bravo. Nous appelons tous les candidats juniors à nous rejoindre sur scène un par un pour leur remettre les certificats. Pozivamo sve takmičare iz kategorije junior da nam se jedan po jedan pridruže kako bismo im uručili certifikate. Miljana. Katarina Dumančić. Jovana Šljivić. Izvoli, Katarina. Aleksa Žikić. Izvoli, Ivana. Jesam ti rekao da nećeš tako lako sa scene. Izvoli. Irina Filipović. Izvoli, Irina. Irena Ševarlić Negebauer. Sofija Stević. Adriana Zvali. Salahović. Zvali Adriana. I posljednja, Kristina Tatić. Zvali Kristina. Merci à l'ambassade du Liban, l'ambassade d'Égypte, l'ambassade de Suisse, l'ambassade de Belgique et TV5 Monde pour le lot de participation remis à chaque candidat. Zahvaljujemo se ambasadama Libana, Egipta, Švajcarske, Belgije i TV5 Monde na poklonima koje je svaki kandidat dobio povodom učešća na takmičenju. Nous espérons que le jury a eu suffisamment de temps pour prendre la décision finale. Nadamo se da je žiri imao dovoljno vremena da donese konačnu odluku. Nous invitons la responsable du centre régional francophone pour l'Europe centrale et orientale à Sofia, directrice adjointe du bureau régional pour l'Europe centrale et orientale le Bucarest, la présidente du jury, madame Cécile Lecquet-Folchini, à nous rejoindre sur scène. Pour nous annoncer le nom de gagnant dans la catégorie junior. Pozivamo, a i evo već je sa nama na sceni, rukovodilac Regionalnog frankofonog centra za centralnu i istočnu Evropu u Sofiji, zamjenicu direktora Regionalne kancelarije za centralnu i istočnu Evropu i predsjednicu našeg žirija, gospođu Cecile Lecquet-Folchini, koja će nam upravo sada
objaviti ko je pobednik u kategoriji junior. A pre nego što čujemo, samo da vas podsjetimo da je nagrada za prvo mesto u kategoriji junior boravak za dve osobe u Tunisu i ulaznica za muzički festival 2018. A ovo je nagrada. Ova nagrada je poklon ambasade Republike Tunis u Srbiji. Le premier prix pour la catégorie junior est un séjour pour deux personnes en Tunisie avec une entrée à un événement musical en 2018. Ce prix est offert par l'ambassade de Tunisie en Serbie. Voilà, merci. De rien. Merci beaucoup. Avant de vous dévoiler le nom du gagnant, de la gagnante, je voulais vous remercier. L'Organisation internationale de la francophonie que je représente était très honorée d'être avec vous cet après-midi. Je remercie l'Institut français pour m'y avoir invitée. Pre nego što proglasim ko je pobednik ili pobednica kategorije juniora, želim da se zahvalim u ime organizacije, Međunarodne organizacije Frankofonije. Mi smo vrlo počastvovani što smo danas ovde sa vama. Alors, comme vous vous en doutez, il a été extrêmement difficile de trancher. Nous avons beaucoup parlé. Heureusement, nous avons eu du soutien de grands artistes serbes et de personnes plus novices, telles que moi. J'ai l'enveloppe ici. Mogu odmah da vam kažem da je bilo jako teško da se presudi ovoj kategoriji junior. Puno smo diskutovali, puno smo pričali, imali smo veoma veliku podršku od strane, mi sa strane profesionalaca iz oblasti jezika, imali smo veliku podršku od profesionalaca iz oblasti muzike koji su isto bili deo žirija. La gagnante je Irina Filipović Venjesi. Pobednica je Irina Filipović iz Niša. Je vois que vous agréez ce choix. Je voulais vous dire qu'il a été très difficile, que nous avons aussi une mention spéciale pour Adriana Salahović, vraiment, de Belgrade, une mention spéciale pour elle. Želim da kažem u čemu je stvari, kako je bilo teško da se glasa i želim da moram da kažem da ima posebnu pohvalu još Adriana Salahović iz Beograda, jer smo se između njih dve dvoumile. Et puis un petit mot pour vous dire enfin que le choix de la chanson d'Irina était tout à fait à propos, car Amel Bent est franco-tunisienne. Voilà, on voulait souligner ça, et en plus ça tombe très bien puisque l'ambassade de Tunisie offre le prix pour Irina. Je voulais juste rappeler, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à l'OIF. Il se trouve aussi que Habib Bourguiba, leader président de la Tunisie, était l'un des pères fondateurs de mon organisation il y a presque 50 ans, il y a exactement 48 ans, et dans 2 ans, le sommet des chefs d'État de la francophonie aura lieu à Tunis. Merci, monsieur l'ambassadeur. Želim još da kažem zašto je baš izbor pao na Irinu, baš upravo zbog pesme koja je vrlo originalna i pesma je francusko-tunižanska, a mi smo danas u žiriju imali i ambasadu Tunisa i upravo ambasada Tunisa daje nagradu kandidatu iz juniorske kategorije Put u Tunis. Hvala ambasadi Tunisa. Hvala. Hvala. Sve čestitke pobednici od strane voditelja. La gagnante de la catégorie junior nous interprétera sa chanson. A sada da čujemo i pobedničku pesmu. Mm-hmm.
philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le point levé, belle la tête, belle torse, sans cesse redoubler d'efforts, la vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi, me prenne en peine, indifférence et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin, viser le ces filles, qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, qui a appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, et bien plus de cœur que de pierre. J'en ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Fais la tête, comme belle torse, sans cesse redoubler d'efforts. N'est-ce pas le choix? Je suis là, ce qui parle le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, si le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Što budemo proglasili pobednika iz kategorije senior, želimo da se zahvalimo Međunarodnoj organizaciji Frankofonije, ambasadi Tunisa, turističkoj agenciji Mondorama, ambasadi Kanade u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, Sky Musicu i Exenetu na saradnji tokom takmičenja. Avant de proclamer le gagnant de la catégorie senior, nous tenons à remercier l'Organisation internationale de la francophonie, l'ambassade Tunisie, l'agence de voyage Mondorama, l'ambassade du Canada en Serbie, Macédoine et Monténégro, le Sky Music Niche et le Exenet pour leur soutien tout au long de ce concours. Maintenant, nous appelons tous les candidats seniors à nous rejoindre sur scène, un par un, pour leur remettre les certificats. Pozivamo sve kandidate iz kategorije senior da nam se pridruže jedan po jedan kako bismo im dodelili certifikate. Katarina Dakić. Olja Petrović. Minja Savić. Natalija Lazić. Aleksandra Timovski, Stanislava Petrović i Sofija Jović. Izvoli. Le premier prix pour la catégorie senior est un séjour pour deux personnes en France avec une entrée à un événement musical en 2018. Ce prix est offert par l'agence de voyage Mondorama.
Nagrada za prvo mesto u kategoriji senior je boravak za dve osobe u Francuskoj i ulaznica za muzički festival 2018. Ova nagrada je poklon turističke agencije Mondorama. Et maintenant, le moment que nous attendions tous avec une grande impatience, la proclamation du gagnant de la catégorie senior. I napokon dolazi trenutak koji ste svi željno iščekivali, proglašenje pobednika senior kategorije. Encore une fois, nous invitons la présidente du jury, Madame Cécile Leque-Folchini, à nous rejoindre sur scène pour nous annoncer le nom de gagnant. Zamolit ćemo još jednom predsjednicu žirija, gospođu Cécile Leque-Folchini, da nam se pridruži na sceni kako bi saopštila ime pobednika. Merci. L'exercice a été tout aussi difficile. Je vous annonce que la gagnante est Natalia Lazić de Belgrade. Izbor je bio isto tako težak, ali je pobednica Natalija Lazić iz Beograda. Bravo, bravo Natalia, et je voudrais aussi dire que vous avez chanté une chanson d'une artiste qui est très connue en France également, parce qu'elle est franco-allemande. Et si vous en êtes d'accord, vous avez rendez-vous jeudi 29, jeudi qui arrive à 8h30 dans le journal du matin de RTS1. Natalija, želim da vam kažem da ste vi pevali pesmu od Patricije Kas. Patricija Kas je puno popularna u Francuskoj, radi se o francusko-nemačkoj pevačici. I želim da kažem da ste pozvani u jutarnji program u četvrtak, ujutru 8.30, da se pojavite uživo u programu sa Jean-Baptiste Kizanom, sa direktorom Francuskog instituta. Avant de vous laisser chanter, juste pour vous redire merci pour m'avoir invité et rappeler que le prix qui sera décerné à Natalia est offert par l'Institut français, par l'agence de voyage Mondorama. Merci beaucoup. Pre nego što Natalija ponovo otpeva svoju pesmu, ja bih još jednom htjela da zahvalim što ste me pozvali i da kažem da je ova nagrada u stvari nagrada koju dodeljuje Francuski institut i agencija Mondorama. Félicitations à tous les participants pour leur prestation et leur motivation. Čestitamo svim takmičarima na divnim interpretacijama, zaista smo uživali. La gagnante de la catégorie senior nous interprétera sa chanson. A sada pobednička pesma. Je n'entends que sa voix, des
mensonges et des bêtises qu'un enfant ne croirait pas. Mais les nuits sont mes églises et dans mes rêves j'y crois. Éviter les regards, prendre cet air absent, celui qu'ont les gens sur les boulevards, cet air qui les rend transparents. Apprendre à tourner les yeux devant les gens qui s'aiment, éviter tous ceux qui marchent à deux, ceux qui s'embrassent à perdre à l'heure. Y a-t-il un soir, un moment où l'on se dit c'est plus pour moi, tous les mots doux, les coups de sang, mais dans mes rêves j'y ai droit. Il me dit que je suis belle et qu'il n'attend. Merci beaucoup à tous et hvala vam veliko. Bravo Natalia, još jednom sve čestitke. C'est maintenant que se clôture la 15e édition du concours de la chanson francophone. Merci à l'Organisation internationale de la francophonie, l'ambassade de Tunisie, l'agence de voyage Mandorama, l'ambassade du Canada, l'ambassade de France, l'Institut français de Serbie pour leur contribution financière au concours, ainsi qu'à l'ambassade suisse, l'ambassade du Liban, l'ambassade d'Égypte, l'ambassade de Belgique et TV5 Monde pour les lots de participation offerts aux participants. Ovim se završava 15. po redu takmičenje za frankofonu pesmu. Zahvaljujemo se Međunarodnoj organizaciji frankofonije, ambasadi Tunisa, turističkoj agenciji Mondorama, ambasadi Kanade, ambasadi Francuske, Francuskom institutu u Srbiji na finansijskom doprinosu povodom takmičenja, kao i ambasadama Švajcarske, Libana, Egipta, Belgije i TV5 Monde na poklonima koje su dodelili našim takmičarima povodom učešća na takmičenju za frankofonu pesmu. Nous tenons à remercier aussi l'Institut français de Niche, le Centre culturel des étudiants de Niche, le Théâtre national de Niche, notre jury, les musiciens, les participants et merci à vous, cher public. Također se zahvaljujemo organizatorima, Francuskom institutu u Nišu, Studentskom kulturnom centru u Nišu, Narodnom pozorištu, našem žiriju,
muzičarima, takmičarima i vama, draga publiko, što ste u ovolikom broju došli i podržali naše takmičare. A kroz program su vas vodili Miljana Justinović i moj kolega Nemanja Nešić. Alane Košen!